Une délégation ouest-africaine conduite par l'ancien président nigérian Abdou Salami Aboubakar a atterri à Niamey ce samedi pour trouver une solution diplomatique à la crise au Niger. Cette délégation a pour mission de transmettre un message de fermeté aux militaires à Niamey et rencontrer le président Bazoum, toujours retenu prisonnier. Cette démarche sera couronnée de succès. Un compte-rendu de ces entretiens sera transmis au président en exercice de la CEDEAO. La délégation a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le coup d'État du 26 juillet. L'ancien président nigérian Aboubakar s'est également entretenu avec le général Tiani samedi après-midi, une éclaircie diplomatique par rapport à sa précédente visite au nom de la CEDEAO le 3 août dernier, où il n'avait rencontré ni le nouvel homme fort du Niger, ni le président Bazoum.